Voilà, l'équipe est au complet. Bricole et Cœur de Roche vont se relancer dans une nouvelle aventure. On va faire donc la 24e quête et on va faire une histoire, l'histoire de Cœur de Roche. On a débloqué au scénario précédent l'accès au lieu, quoi, au lieu, et maintenant on doit pouvoir faire sa quête. A priori, il y avait un élite, il me semble, un élite. Il me semble, hein, il me semble me rappeler qu'il y avait un élite. Et mais c'était des bandits, c'est ça qui m'étonnait. Il y avait des bandits et il fallait tuer des golems. Un peu étrange. Elle était où? Donc ça, c'est celle qu'on a débloquée si on continuait. Voilà, c'est celle-ci, le sanctuaire de golems de pierre. Quand je vais dessus. Ah non, ils ont pas. Alors je croyais qu'ils avaient. Ils avaient vol. Pas dû regarder le pont la dernière fois. Bon. Et je viens de penser à quelque chose. Ici, il va falloir quand même que j'achète un objet. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour cœur de roche? Avec 40. C'est quand même, mine de rien, les petits objets, ça peut être utile. Potion de soin, mineur, ça fait 3. C'est pour générer, bof. De puissance, j'ai plus 1. Peut-être se prendre un petit plus 1. De toute façon, il n'y a que ça, la potion de soin majeure. Je peux pas la prendre. Non, bon, on va se prendre pour 10, une potion de puissance. Ça peut être toujours utile. Voilà. Mince. On l'a dépensé pour rien. On a dépensé pour rien. Comment ça se fait? On peut la vendre? On la vend combien? 5. Ah ouais, on l'a acheté 10, on la vend 5. Bon allez, on la vend. Ah ouais, ça me sert à rien. Ça me sert à rien, je l'avais déjà. Donc. Ah ouais, puissance mineure, effectivement. Faut que je regarde, que je prenne quelque chose, mais j'ai plus que 38. À 30, on a quoi? À 30, potion de soin majeur, celle-là aussi je l'ai. Potion de soin mineur, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas. Et l'anneau, la boucle d'oreille, ça fait 20. D'oreille, pendant votre tour, rafraîchissez tous les objets dépensés. Peut-être pas mal. Allez, on prend la boucle d'oreille. Comme ça. On sait jamais. On verra ce que ça va donner. Allez, on part à l'aventure. On a dit qu'on faisait celle-ci. Voyageons. De haute rivière, on ne fait toujours pas de rencontre. Après une marche pénible dans les collines depuis la haute rivière, le sanctuaire du verglas se tient devant vous, apparemment intact dans toute sa splendeur cristalline. Un tombeau pour les eaux qui ne coulent plus. Les savas à la recherche de la maîtrise de la glace utilisaient ce lieu pour s'entraîner. Plongé dans le froid et la violence, mais il n'est plus utilisé aujourd'hui. Vous entrez dans le sanctuaire calme, presque trop calme. N'effectuez que des repos longs. Avoir une valeur de points de vie égale à votre santé maximale de points de vie à la fin du scénario. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut tenter ça. Éliminer au minimum un monstre élite. Oh, bah c'est ça qu'on va prendre.
On va prendre ça, comme il y a de l'élite, on devrait pouvoir le faire, mais il va falloir le laisser à cœur de roche. Et la mission, déjà, qu'est-ce qu'on va nous écrire? Ça va être assez clair, je pense. Voilà, c'est lumineux. Alors que vous vous dirigez vers la salle centrale garnie de monolithes de pierre, vous réalisez que votre sixième sens était bon. Des bandits surgissent pour vous attaquer. Et ils semblent avoir réussi à accéder aux anciennes défenses du sanctuaire. Oh, oh là là, le golem là-bas au fond. Bon sang! Ils ont des golems de pierre d'élite. Restez à l'écart et abattez-les de loin. Ouais. La glace est puissante ici. Utilisez-la pour les ralentir, si vous pouvez. Ah ouais, là, il y a de la glace. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un élite. Lui, il est élite aussi. Et il y a des portes, là? Il y a une porte, quelque part? Pour sortir? Il n'y a pas de porte? C'est là qu'il faut les tuer. Ah, mais il les génère. Il faut tenir des rondes. Ah non, il faut tuer deux golems. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, il faut tuer deux golems. Deux golems de pierre ou golems élite. Pas de chance, de là, il commence déjà par des élites. Est-ce que là... Là, ça va sentir la grosse partie bien difficile, hein? Lui, en plus, il me fait peur, lui. 1, 2, 3, 4. Donc, il faudrait que déjà, cœur de roche, si tu veux lancer tes affaires, là. Tes trois projectiles. Est-ce qu'on peut en mettre deux là? Non, là il n'y a pas de case. Là on peut pas, hein? Là il peut pas passer. Donc un, là on affaiblit les deux. Un là. 1, 2, 3, 4. Ensuite 1, 2, 3, on pourra en mettre un ici. Ah non, on peut pas. Puisqu'il est bloqué. Il voudra pas. 1, 2, y a pas de piège? Y a pas de piège. Si j'attaque comme ça, là c'est qu'une attaque en bas. Et en haut, qu'est-ce qu'on pourrait faire? En bas. 1, 2. Je pourrais me mettre ici. Là, je pourrais en mettre deux. Un, deux. Trois, peut-être même. Me coller là. Avec ça. Subira un dégât. Un, deux, trois, quatre. Soit je me mets là. Prenne encore deux dégâts. Ah ben non, je... Ah ouais. Ça va être dur de les tuer là. Ça peut être pas mal. Là, il faut être où là? Cataclysme. Qu'est-ce que pourrait faire? Brochette, non. J'ai pas mon truc là. 1, 2, 3, non, c'est pas possible. Ils sont pas bien placés en fait, à chaque fois. Ils sont pas bien placés. Le golem.
faudrait quand même que je me déplace. Là, je peux l'attaquer à deux. Ouais, je suis trop loin. Je désarme. Ça, je peux la garder, celle-ci, pour le gros golem. J'espère qu'il soigne pas le golem. Hein. Ben, on verra où on va se déplacer. Laquelle celle-ci, elle est. Alors, le golem, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace de 2, il attaque de 6. Ah, ouais. Ils attaquent de 5, les l'archer élite. Et l'autre, il se déplace de 5, ils attaquent de 2. Ok. Alors, on a dit bricoleur. On va attaquer qui? L'élite, peut-être. Bon, on va se déplacer de 2. Il faut être à portée de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, ben on va se mettre là. Est-ce que je le stun? C'est plutôt le gros qu'il faudrait stunner. Mais il fait quoi comme... T'as qu'à 5. Ouais, on va le stunner. Peut-être même faire une attaque à plus de... Parce que lui, il va manquer kiné. Hein. Ah, ça que non, faut que je le garde pour le... Voilà. Oh. 8. Oh, c'est pas mal ça. Oh ben il est mort. Mince, ça j'avais pas calculé. Ça non plus. Je pensais qu'il jouait après moi. Enfin, après cœur de roche. Mais bon, c'est pas... Ah oui, c'est moi qui joue le dernier. Ah, parce que j'ai pas pris les bonnes cartes. Ah oui, d'accord. Donc là, ah ben voilà. Seulement tous les alliés et adversaires adjacents. 1, c'est bon. Peut-être 2 ici. 1 ici, ça c'est sûr. Et lui et le troisième, où est-ce qu'on va le mettre? Je le mets derrière ou pas? Prennent 2 dégâts. Allez, un derrière. Une qui est morte. Ça, c'était pas mal. Et ensuite, on se déplace de 2 et on va coller ben, un dégât ou 2. Ok, tour 2. Ah ouais, tour 2, c'est... Ouais, mais il y en a qui sont apparus là en plus. Là, il faut jouer super tôt. Et faire une méga attaque sur l'autre là-bas du fond. Ça. Là, c'est à 3. Et je l'immobilise. Peut-être pas mal. Casse 6. Attaque à 4. Ah ouais, j'ai ça. J'attaque, attaque, portée 3. Ouais, mais faudrait que je parte là.
Et on peut les immobiliser. Attaque à 4. C'est quand même une attaque à 4. Hein. Celle-ci, c'est une attaque à 6, mais c'est un élite. À mon avis, j'ai grillé celle-ci. Attaque à 6. Et après, je pars. Je pars. Après, je pars. Je pars loin. Écœur de roche. Là, je fais une attaque à 6. Hein. Là, je fais une attaque à 6. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, ouais. À 4 dégâts. Bah, on va faire celle-ci. Voilà. Et puis après, on va essayer de partir. Oui, c'est une carte où il faut se déplacer. Il faut un déplacement. Allez, mince! Riposte 3. Ouais, portée 3. Mince, là, on est vraiment pas cool. Il se colle combien de boucliers? Allez, il attaque à 3 poisons. Et l'autre pareil. En plus, il joue super vite. Et la riposte quoi, lui? Portée 3. Et moi, je peux l'attaquer à portée 5. Ouf. Donc, il faut que je me mette... 1, 2, 3, il faut que je me mette là. Toi, il faut que tu partes. Qu'est-ce que c'est mes trucs? Et après, on attaque à 6. Toi, 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 et toi. Allez. Oh mince. Que du plus 1. Je peux pas me soigner. Je peux pas me soigner. Deux cartes défaussées. Deux cartes défaussées. À nous, cœur de roche. À 4, je peux peut-être le tuer. Peut-être qu'avec un plus 1. Bah ouais. Et je me déplace de 4. Eux ils se déplacent de 2, ils attaquent de 4. Ils se déplacent de 2, 1, 2. Ah, il faudrait que je vienne par là. C'est moi qui dois le. Un, deux, trois, un, deux, trois. Ouais, il faut qu'il m'attaque moi. Voilà. C'est bon. Bandit, attaque-moi. Ouais, x0, ça c'est bien.
On 3, donc lui, il faut le tuer, lui. Il a toujours ses trois boucliers. Ah ouais, celle-ci. Je pourrais l'embrocher là. Puisqu'il faut faire une attaque à 4 sinon. Déjà, il faut jouer super tôt. Est-ce que Cœur de Roche, il peut jeter... Mince, j'ai pas pensé. Cœur de Roche, de toute façon, il va faire ça. Et puis après, il faut que je jette un obstacle. Déplacer un obstacle de la taille, voilà. Et on fait... Non, c'est pas des... Pour chaque hexagone, je veux pas... Voilà, il se prend 2 dégâts. Pousser plus 1. Voilà, ça c'est pas mal. 1, 2, 3. En plus, il est mobilisé. 4. Donc je me déplace de 4. Je le pousse. Attends, mais il y en a des nouveaux qui sont arrivés? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, on dirait, qui est arrivé. Ah, il y en a qu'un à chaque tour. Ouf. Alors, lui, si j'arrive à jouer, lui, il est mort. Si je fais 1, 2, 3, 4, je le pousse. Avec ça, vous pouvez pousser la cible sur un hexagone contenant un obstacle. Dans ce cas, détruisez l'obstacle. Sinon, il prend 2 dégâts. Ouais, celle-ci, je vais la garder. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que toi, tu veux pas générer ton allié quand même? Faire un soin, un méga soin. Faut du soin. Hein. Que toi, tu peux juste te déplacer là. Je peux me déplacer 2 là à 19. Et après me soigner. Me soigner à 4. Allez, 28. Ouf, on joue les premiers. Attaque à 7, le golem de pierre. Ah, il subit 2 dégâts. Ah, est-ce que ça vaut le coup de le tuer alors? Ça vaut pas le coup de le tuer, le golem de pierre alors. Portée 3, il faut être à portée 3. En plus, il est immobilisé 1, 2, 3. Ah, ouais, c'est peut-être pas mal ça. Alors déjà... Ah ouais, mince, c'était le x3 que j'aurais dû prendre. Parce que là, j'enlève que le poison. Une fois, le... Bon. Pas trop grave. Et après, on recule. Là, on peut pas y aller. Ah. 1, 2, 3. Il faut pas aller là, quoi. Portée 3. Eh ben, ignorer la capacité. Ah oui. Voilà. Voilà. Ouais, il va falloir que tu... Cœur de roche. Donc, cœur de roche. T'as qu'à 3 poussées de 1. Si je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Là, il a porté 3. 1, 2, 3. Je pourrais me mettre là. Non. Ben, c'est pas super ce que j'ai là. Je pensais que je... Ah, mais c'est une poussée de 2. Ah, poussée de 2. Donc lui, je pourrais lui faire. 1, 2, 3. Ok. Vous pouvez détruire.
subit 2 dégâts. Voilà, on va aller là, on va juste aller ici. On va juste aller là. Confirmer la cible. Ok. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de mes bottes, rien du tout. Bon, 2 dégâts, on les prend, on n'en prend qu'un. Ça c'est bon, le bandit, il revient mais il est confus. Ah, 3 dégâts quand même. Bon, 2 dégâts. Là, ça commence à faire. On va prendre l'anneau. Ouh, il y en a un autre qui est arrivé. Pas mal ça. Là, il faudrait... Ouais, mes trucs, ils vont servir à rien là. Donc, toi, il faut que tu te soignes. Il peut passer entre les deux là? Ouais, là il y a un passage. Mais sinon, oui, il est bloqué. Lui. Comment on peut faire? Ça qui m'enquiquine là. Parce que celui-là il est encore. Mais c'est encore un élite? Oh punaise, j'ai vraiment pas de peau! Oh, j'ai vraiment pas de chance, c'est un élite! Oh là là! Oh, vraiment pas de chance! Oh, vraiment pas de chance là. Je me tapais que des élites. Bon, comment on va faire? T'as qu'à 3. Faire ça, 32. Ah non, attaque à distance. Un quart de roche, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bricoleur, il pourrait générer ces trucs là. On va essayer de faire ces deux là. Ça, il le garde. Quoique je peux me déplacer des deux et le désarmer. Ouais, peut-être faire ça. Et puis l'attaquer. Quoique j'ai plus que 5 vies. Hein. Ouais. Ah, c'est pas très. Pas terrible du tout, hein. 2 cartes défaussées.
Soin 4. Ouais, là j'ai des cartes quand même. Mais bon. Mon automate, je pourrais la. Ouais, faut que je. Bon, on va faire un des deux automates. Ça, c'est pour l'action en haut. Et l'action du bas. Quoique je peux me soigner. Ouais, je me déplace et je le désarme. Je vais faire ça. Allez. Les bricoleurs. Là, je peux en tuer un. Celle-ci, on va la garder. Allez, on essaie de voir. Oh là là, bouclier, poison, attaque. Ah. Elle devient super dure quand même. Hein. Quand même super dure. Hein. Archer, qu'est-ce qu'il fait? Bizarre. Oh là 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 là. C'est super dur là. x2! Voilà. Laquelle je perds? Là. Oh là 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 là. Là c'est super, super, super. Déjà. Déjà, on fait notre attaque. Déjà, on va faire ça. Allez. Ouf. Il y a quand même un qui est mort. Ensuite, je peux me déplacer deux. Deux vers. Attends, ils font quoi? Lui se déplace de deux, attaque des cinq. Comment on peut faire? Celui-là, ouais, il y en a un autre qui va apparaître encore. Est-ce que j'utilise mes bottes pour aller là? Ah ouais, mais le problème, c'est que. Ah ouais, mais là, je suis empoisonné. Je vais me soigner que de 5. Soigner. Cœur de roche, est-ce que tu as un besoin? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il va falloir que tu récupères des trucs là. Peut-être pas dans l'immédiat. Et toi, ouais, toi, il faut que tu récupères peut-être des cartes. Jouer tôt. Ouais, allez. Bah là, je la sens. Je la sens pas celle-ci. Qu'est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on récupère pour jouer tôt?
Où est-ce qu'on récupère pour des soins quand même? J'ai soin 5 là. Ah ouais, mais soin 5 ça vaut rien. Si sur moi peut-être. Ça c'est pas mal aussi. Plutôt que d'attaquer, un peu désarmé. Mais bon, ce serait quand même bien d'attaquer. Attaque à plus 3, plus 4. Là, c'est un soin 5, mais c'est pour jouer vite en fait. Donc, soin 5 il me sert pas à grand chose. Ça, c'est pour empoisonner. Bon, c'est peut-être pas mal empoisonné. Le golem, il se déplace. Ok. Tour suivant. Donc nous, ouais, il faut que je fasse ouais, un repos court. Ouais, on la perd. Surtout détruisez un obstacle, plus 4. C'est ça qu'il me faut, ça et ça. Mais il faudrait que je parte. Ou alors je pars. Détruisez un obstacle, gagnez plus 3. Ça, c'est. Ouais. Est-ce que j'ai pas un truc à distance avec la poussée? Ah ouais, c'est ça. Avec la poussée de 2. Créer 3 obstacles. Ah ouais, mais là, il y a des sous là. Si, pour me déplacer, peut-être. Ouais, pour gagner un peu de temps, mais. Comment on va gagner du temps là? Là, on peut pas, il n'y a que des archers. Ouais, faudrait peut-être que je fasse ça, plus un petit déplacement et ça pour pousser 2. Non, c'est pas celui-là, c'est celle-ci. Voilà. Et bibi, 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 bibi. Donc lui, il va rien faire, lui, par contre, il est désarmé. L'autre, il va l'attaquer. Est-ce qu'on peut... 1, 2, j'ai rien. Soin, peut-être. Ouais, il faut peut-être que j'y mette un autre. On va essayer de jeter un autre dans la mêlée. On va essayer d'en jeter un autre dans la mêlée. Ok, le golem il se déplace de 3, il attaque de 5. Mince. Un bricoleur. Essayer de se mettre par là, quoi. Par là. Ouais, mais le problème, c'est que cœur de roche, là, il va souffrir. Il va souffrir. Bah, de toute façon, on est obligé. Hein.
est-ce que je génère? Parce que cœur de roche, qu'est-ce qu'il a? Cœur de roche, il n'a pas besoin de générer. Ah oui, tiens, se soigne soi-même. Ah ouais, mais c'est 5. Bon, c'est pas grave. T'es obligé. On se soigne, on se soigne. Voilà, ça peut aller. J'ai pas d'attaque à distance. Est-ce qu'après je peux le pousser sur un obstacle? Ouais. Bon, on va essayer, on va voir. Hein. Un dégât. Ah oui, il va venir attaquer le... Mince. Ah, il se déplace de 3. Ouf. Oh mince. Oh. Allez, le golem, il vient m'attaquer. Là, on est cuit, là. Là, on est vraiment cuit. J'ai pas ma carte, là. Peut-être faire ça. Pour essayer de jouer avant eux. Pas celle-ci. Celle-ci crée 3 obstacles pour essayer de les bloquer là. 1, 2, 3. Et lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, bah, encre. Là, ils sont jamais positionnés comme il faut. En fait, c'est lui qu'il faudra essayer de toucher. Dégâts 4. Soit un 3. Là, on va faire un repos court. Ouais. Pour jouer tôt. Et lui, on l'immobilise. On peut immobiliser les 3. Cinq. Bon, une déjà pour jouer très tôt. Quel des deux? Là, je lui colle poison quand même. Je suis pas à 3. Non, je suis très loin en fait. Bon, on va faire ça pour attaquer l'autre là, immobiliser. Enfin, on a l'immobilisé.
Mais je suis porté 3. 1, 2, 3. Il faudrait au moins que je sois là, quoi. Et là, c'est vraiment super dur, là. Et là, c'est une attaque à 3 seulement. C'est à 4. Bon, on va voir. Les bandits. Ah, il se met riposte, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il attaque à 5. Nous attaquer là tout ça. Alors immobilisation, mais je voudrais l'attaquer à 4 quoi. Voilà, on n'immobilise personne. Toi qu'on va essayer, mais qu'il y a ces trois là. Je sais pas. Deux dégâts. Tu veux que je génère? Sert à rien. Pas grave. Les archers. Oh mince, il y en a un là. Il m'a immobilisé. Merde. Mince. Heureusement qu'il tire pas des gros jetons, hein. Oh bah là, la partie est finie là. Hein. Là, malheureusement, la partie elle est finie là. Je peux pas me déplacer. C'est pas grave. On va quand même essayer de faire le maximum. Déjà, lui, on va lui coller deux dégâts. En en mettant un là. Deux là. Et on le met où? Trois là. C'est pas mal ça. Donc il faudrait pas qu'il me fasse un x2. Oh la chance! Tour 7. Alors ma seule chance c'est de pouvoir l'embrocher. Mais que Kragart, il fait son boulot avant. Ah oui, j'ai peut-être les autres cartes là. Vous pouvez pousser la cible sur un hexagone. Alors, comment on peut faire? Tous les alliés et adversaires adjacents subissent un dégât. Donc lui, il va passer à 9. Et après, allez, à 6. On perd 3 dégâts. Ah ouais. On perd 3 dégâts. Déplacer un objet. On pourrait faire ça.
Ouais. Ah ouais, mais si je reviens là. Non, déjà, on fait un repos court. C'est pas grave. Perdre. Donc il faut que je joue super tôt. On va détruire un obstacle. Ouais. Donc là, ça peut être... Parce que là, j'attaque à 4 grâce à ma carte. Ça peut me faire attaquer à 7. 7. Mais je joue qu'à 28. Ouais, il faut que je joue avant. 28, ça c'est bon. Et puis après, je peux faire ça. Tous les alliés et adversaires adjacents subissent un dégât. En fait, il va prendre que... Ouais. 3 dégâts là. Allez, et lui? Faut pas qu'il meure. Il faut qu'il puisse jouer avant. Ou... Ouais, mais avant. Ouais, avant les autres. Mais je sais pas si ça va le faire. Parce que 18. Alors, s'il joue quand même avant. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il peut pas le tuer. Non. Ouh, la chance. La chance. Ensuite, ignorer le déplacement. Enfin, on casse ça. Donc on va casser celui-là. Et normalement, je dois pouvoir en sélectionner un autre. C'est pas fini. Ah, je suis en... Ah, mince. Ah, punaise. Ah, punaise. Ah, peut-être, peut-être. Oh non, il y en a trop. Faites bouclier, faites bouclier, faites bouclier. Ah, mince, ils vont tous venir. Ah. Non. Ah. Perdu ses cœurs de rage, est épuisé. Ah. Bon, on l'a perdu. Annuler 40 dégâts en utilisant les objets d'un mur et bouclier. Bon. Eh ben, celle-ci fut rapide, mais bon, quand même pas eu de chance. Il y avait quand même deux golems là, deux golems de glace. Ok, alors qu'est-ce que je gagne comme carte quand même?
détruisaient tous les obstacles à portée de 2 ou à portée de 3. Attaque de X. X est le double du nombre d'hexagones que les obstacles occupaient. Est le double du nombre d'hexagones que les obstacles étudiaient. Déplacement de 6. Ok. Et l'autre, déplacement de 2, attaque de 5. Au début des 5 prochains tours, effectuez une action soin 2, portée 2. Alors, laquelle serait plus intéressante? Détruisez tous les obstacles à portée de 2 ou à portée de 3 et faites une attaque à X, où X est le double du nombre d'hexagones. Bof, là, on a au moins une attaque à 5. Hein. Allez, on va prendre ça. Et en point de bénéfice... ça sert à rien. Ça, ajouter un moins 2 et 2 plus 2, c'est un peu nul. Retirer 4-0. Pousser de 2. Pousser de 2. Ça me plaît pas, ça, parce que quand je calcule... Bon, je vais enlever 4-0, voilà. Problème, ça me fait tirer des moins 1 ou moins 2, quoi, plus souvent. Ouais, là, j'ai un peu... Bon, allez, on enlève 4-0, on verra bien. Même si ça me... Qu'est-ce qu'on a eu? Rien de débloqué, amélioration, rien. Ah, celle-là, il faut avoir fait 20 poisons. Ah, une catholique. J'ai reçu un message de l'asile de Roche-Noire, où l'un de leurs alchimistes travaillait sur un nouveau type d'armure de haute technologie. Cependant, il faisait des recherches dans sa tour quand il y avait beaucoup de bruit, de hurlements, puis un silence. Laissez-moi deviner, ils veulent que nous enquêtions? Ah oui. Voilà. Ok, bon, bah on va arrêter. On va arrêter après, bah... une petite défaite, une défaite. Mais... Ouh là, je la trouvais dure, là. Deux golems de... Tu vois, là, il n'y a pas... Deux golems de pierre. Golems de pierre élite. Ouais. Bon. Allez, on arrête celle-ci. À plus.